Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le 22e épisode de votre Let's Play sur The Elder Scrolls Arena. Alors, la dernière fois, on était entré dans le dernier donjon du jeu, le Palais Impérial. On s'était dépêché de suivre un tapis rouge qui nous a amené à finalement un deuxième sous-sol qu'on est en train d'explorer. On cherche Yagartan, le dernier boss du jeu. Et j'espère qu'on va le trouver aujourd'hui. Finalement, on ne sait pas. Quand on regarde la carte, on peut se dire qu'elle est quand même grande. On a commencé au sud-est. Et vous voyez que ça va loin. On va continuer d'explorer. Alors lui, s'il veut bien s'arrêter, 2 secondes. Voilà. Et donc voilà, je reprends juste après la fin de l'épisode précédent. Oh là. Oui, d'accord. Bien sûr. Faisons comme ça. Donc là, c'est plein de cellules avec des méchants. D'accord. Si on pouvait passer un petit niveau, ce serait cool quand même. Oh, waouh. Ouais, un golem. Un golem de faire quoi? Dégage. La liche se régénère, pas mal. Ouais. Quoi? Ça fait quoi, ça? Ça remonte? Ça remonte où? Intéressant. Donc on continue à descendre, c'est pas grave. On va se faire un petit soin, un petit retour de magie, là. Ok. Il y a un mec qui nous tape dessus, déjà. On se casse. Donc ici, ça fait repopper des gens, évidemment. Donc c'est une sorte de tour, hein. On a vu, hein. Celle-là... Tout ça, ça communique. Est-ce qu'on a vu une limite? Pas vraiment. Pas mal de textures différentes. Intéressant, là, cette texture-là. Elle s'arrête quand on repart vers le sud. On va aller voir. C'est une suite de cellules? Ouais, c'est une suite de cellules. Alors on va... Ah, je sais pas. J'allais dire on va toutes les faire, mais... Ah non, attends. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Un garde-manger. Voilà. Il y a vraiment que les ennemis les plus forts du jeu et en masse dans ce donjon. J'espère que je tape pas la porte. Voilà. Et vraiment le rythme d'apparition est assez énorme. On va peut-être longer un peu comme ça. Attends, alors du coup... Comme ça, hein. Par là. Ici. Tiens. Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais, vas-y, on peut aller par là et prendre à droite. Oui, très bien. Donc on va prendre là plutôt. Oui, petite cellule. Ah, salut. Petite sauvegarde. Oula! Petite sauvegarde donc.
C'est parti. Ensuite. Ouais. On va continuer par là plutôt. Tu vois, là, ils ouvrent les murs, les mecs. C'est quoi qui fait ce bruit-là? Bon, je le fais mal, mais vous avez compris, quoi. Donc ça, c'est un passage secret. Où il est? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'était un chien qui est mort tout seul. On sauve tous les trois ennemis, évidemment. Oh, encore des textures. C'est le monde des textures. Ah, ça redescend. Ouh, ça y est, ça redescend. Ouf, c'est dur, là. C'est moche. Une liche. Deux liches, t'es sérieux? Ah bah ouais, mais attends. Ok. Eh ben, on va pas aller par là. On va aller par là. Allez, deux liches. Donc on va essayer de les faire. Alors, y a zéro. Elle me tape de loin et tout. Là, je les tape en même temps. Je me concentre, hein. Ok. Je sauvegarde. On est à fond. Allez! Oh, le jeu sans pitié, quoi. Ah, je pense que c'est le dernier étage, hein, quand il y a deux liches en combat normal. Je les ai pas tapés en même temps, je suis un peu deg. Qu'est-ce qu'elle bouffe? Agilité 100, force 100. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, toi? Putain, mais c'est sérieux? Agilité 100, force 100, le machin, il résiste. Eh ben. Tout ça pour un cul-de-sac nul, je te jure. Ok. Ah, c'est tout petit, on dirait. C'est peut-être la fin. Par là, il y avait des liches. Par là, il y a quoi? Des liches. Attends, wow. Cette texture, elle me... Ouf. Oh, il y a de la lave, hein. Par là, il y a de la lave, mais... On doit passer la porte. Ok. Ça passe, ça passe. Oh.
Où ça? Derrière. Ok, donc là c'est lancer les sorts avec Shift C et attaquer en même temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Attends, U. Oh, le dernier boss, j'imagine pas. Peut-être nul, hein. Un autre. Tous les ennemis peuvent nous avoiner de loin autant qu'ils veulent, c'est dingue. Je vais regarder la carte. Ah, c'est le bord? C'est le bordel? Bah ouais. Et tu vois, regarde. Ça là, ça c'est irrégulier, ça. C'est un truc incassable. Incassable. Cassé. Ouais, mais... Ok, vas-y. C'est un complet délire. Elle est où? Alors... Je réfléchis toujours à faire de cet épisode la fin de l'autre. Hein. On verra. Par contre, là, ouais, c'est. C'est autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Dac. Ouais, mais je m'en fous de ça. Parce que. Ce que je veux, c'est pourquoi. Pourquoi là il y a un mur, tu vois, voilà. Oh non, ça va bien. Là, elle est apparue comme un ennemi normal. Hein. Elle a pété mon kite shield. Putain, c'est ouf. Il nous en faut un nouveau. Il était neuf, hein. Voilà ce qu'elle nous met dans la tronche. Eh ben, je peux plus bouger. Qu'est-ce qui se passe, putain? Le jeu, il suit plus! Quel jeu de merde. Alors. Ah, c'est vraiment codé avec le cul. Le postérieur, évidemment. Pourquoi est-ce que là je les prends pas à deux? En essayant de me déplacer, en essayant de les attirer. Parce que je peux pas. C'est pas un jeu où on se déplace, faut bien voir ça. Parce que si j'arrête de spammer tout simplement le soin, je meurs. Comprenez-vous? Regardez-moi ça. On m'enlève pas de la magie, hein. C'est moi qui me soigne. Je pense qu'il y a plusieurs liches autour de moi là. Ouais, mais ouais, le jeu ne suit plus. Le jeu n'y arrive plus. Tout simplement. Potion d'invisibilité?
Ouais, il a planté, à tout de suite. Bon, bah, ça va faire un épisode, ça. Oh là là, le jeu n'arrive plus à suivre son propre rythme. Il est overkill, là, complètement limit break. Alors, à tout de suite. Me revoilà. Je vais prendre une potion d'invisibilité. Voilà. Et on va voir comment elle se comporte. Elles m'ont vu. Celle-là, elle me voit pas. Si elle me voit. Tu me vois, tu me vois plus. Allez, je me casse. Faut que je les aide. Oh putain! Ouais, waouh, il y en a 4! Ok. Mais ferme-la. Alors, j'en peux plus. Comment on fait? Elle me voit en invisible. Il y avait une porte à un moment là. Hop, hop. Hop, hop. 2, paf. 6. Je crois qu'elles sont 6. Je sais même pas comment je peux gagner en fait. Attends. C'est par là. La map dit quoi? Ah, attends, peut-être. En passant par là. Celle-là, c'est pas grave. Je vais essayer de les contourner et de faire un passwall pour me faire un couloir. Avec un couloir, elles seront plus gérables. Comprenez-vous? Ma folie. Et lui, là. Ouais, je pense pas qu'un jeu nous ait demandé autant de... Comment dirais-je? Pas de skill, hein, mais de... De tension, quoi, de... Je sais pas. Dégage. Ok, on avance. M. Et oui, on fait le tour de rien, là, ouais, bien sûr. On fait le tour de ce qui doit être le dernier donjon. Ah, elle vient d'apparaître devant nous, elles peuvent apparaître. Et pas de trésor. Il n'y a pas une astuce pour les liches, non? Une autre. Deux autres. Est-ce que je les tape en même temps? Peut-être. Ça va aller. Elle protégeait sa copine ou pas? Non. Il y en a une à gauche. Non, ça va. Si. Il y en a deux à gauche. Ah ah! Sinon, c'est pas drôle. Je pensais que j'ai exagéré avec mes potions. Ouais, non. Ouais, c'est pas possible. Ça va être ça, l'épisode. Il va peut-être durer 40 minutes, mais de ça. Parce que c'est pas très loin. On sent que le centre, là, il est proche. Tu vois. On va faire un coucou, bœuf. Coucou. Hop, viens là, toi. Plusieurs démons de feu, j'aurais compris, mais autant de liches. Plusieurs vampires, j'aurais compris, mais autant de liches. Ok.
J'étais tout content avec mon tapis rouge là du dernier épisode. Tu rigoles. Alors, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller par là. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est là? Ah, il y a une petite poporte. Elle a l'air intéressante cette poporte. U. Hop, un peu de café. Hop, sauvegarde, sauver. Un machin, tac. On passe, leash, leash, double leash, into leash, into releash. Hop là, je l'ai vu. T'es toute seule? Tu crois gagner? Non, le fait qu'il y ait autant de leash d'un coup, ça mérite un épisode. Tu vois, c'est... Nerveusement, c'est une heure et demie de Morrowind, ça. C'est deux épisodes, trois épisodes de Morrowind, ton machin. Ok, donc là, c'est des cellules. On va avancer. En faisant gaffe. Il y a papier toilette à droite. Il est où? Non? C'est les prisons de la cité impériale, hein. Vous reconnaissez Oblivion. Après Dagotur, de Morrowind, Oblivion, de... Enfin, la cité impériale de... Oblibli. Tu vois? T'as envie de péter ce mur, mais on peut pas, je crois. Non. Non mais là, regarde. Ah, oh, cette entrée, là, c'est quoi? Qu'est-ce à dire que ceci? On fait le tour pour rien? C'est possible. Une liche qui se régénère, tu m'étonnes. Une autre. Une poporte. Vous vous tenez devant une grande porte en acier. Sa surface est brûlante comme si un grand feu brûlait derrière. L'odeur du soufre sature l'air. Immobile. D'accord. Lévitation. Hop. La liche. La liche du feu. Très bien. Une liche. Une liche. On peut toutes se les faire, mais... Ouais, on peut toutes se les faire, vas-y. Y a pas de mais. Attention à l'évitation, quoi, c'est ça le... U, restore... C'est que des liches, quoi, c'est un truc de dingue. Bon, on imagine bien que le méchant est au milieu, hein, mais... Encore trouver la porte, quoi. Ah, attends. Ça, là. Ouais, intéressant, vas-y. Fais le tour. Si tu veux, ça commence à me... courir sur le haricot. Voilà. Qu'on passe pas de niveau. Oh merde. Alors j'imagine qu'on touche, hein, mais le jeu peut pas jouer... Oups. Va falloir sauvegarder un moment. Ça va.
puis lancer des sorts, faire shift C, enfin... Ça aussi. Ok, celle-là. Je savais qu'il y en avait une là, de toute façon c'est signé. Pourquoi ? Pourquoi floute ? Voilà. Finis ce combat, je lance un levitate. Trois points. Volonté. Hop. Ok, on a gagné ce niveau. Trois points, bon, c'est comme ça. Je sais pas si j'ai lancé levitate du coup, je sais plus. Il y a encore un moyen d'aller au centre. On peut pas se faire casser la gueule avant ? Bah tiens. C'est ouf la difficulté. Comment tu fais avec un perso genre... comment on pourrait dire ? Je sais pas moi, un voleur nul, tu vois ? Potion, potion, potion. Tu passes ta vie comme moi, là, en fait. Hein. J'ai un perso quand même vachement puissant. Enfin, même sans, même avec le fait qu'il porte pas beaucoup d'armure. Il est quand même... gaulé, quoi. Ah, ça y est, on a fait le tour. Oui. Oh là là. C'est Jaja. J'arrive pas à lui faire de mal. Il y a un truc. Casse-toi. Magically. Allez hop. Il y a un truc. Évidemment. Une astuce. Look difficult. Mais ta mère. Hop. Vous êtes poisonné. Bah salut. Alors. Ça. Ça. J'ai pas cure poison. Oh l'innocent, j'ai pas cure poison. Oh le con. Alors. À quoi ça ressemble? Eh oui, c'est celle-là, tu vois, elle est... Ouais, le poison, ça va, c'est gérable, en fait. C'est quoi qui fait gros? C'est lui? Tu fais gros? Attends, on peut le taper ou pas, ce bonhomme? Il fait pas tant mal. Oh! La mitrilquée. Qui? Mitrilquée quoi? Attention, ça va aller très très vite. Thank you.
Thou art truly a child of the Empire. I thank thee for thy assistance. I have a particular idea as to the question of your service in mind. From this day forth, thou art named the Eternal Champion. From thy hand shall be dealt the needs of the Empire. I, Uriel Septim, true Emperor of Tamriel, do decree and thus make law. Arise, my champion, and take thy rightful place at my side. Vous vous êtes montré digne d'un champion de l'Empire et cet exploit n'est pas près d'être oublié. Ne rangez pas votre épée dans son fourreau, ni votre livre de sort sur une étagère. Bien d'autres aventures vous attendent. Ce n'était qu'un chapitre dans l'histoire des Elder Scrolls. Tintintintin. Pouet, pouet, pouet. Et voilà. Je peux retourner voir le... Sa Majesté ? Trop bien. Qu'est-ce qui se passe dans le donjon maintenant que c'est plus un donjon ? Ah, on a fini Arena, quoi. Je suis encore complètement à fond. On a fini Arena, sa mère. On a empoisonné. Méfiance. Est-ce qu'on a une mage guilde ? Oui, 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 on a peut-être ça quelque part. Nani, 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 nanou. Ouais, puis on s'en fout. Tant pis pour le poison. Ah si, il faut quand même se guérir, vas-y. Where is the gold marge? C'est simple, c'est au... À l'ouest, il a dit? Sud-ouest? Ah, oh, on a fini. Arena. Et franchement, hein, ça va. Hein. On a utilisé quoi? Une solution pour l'œuf, là. Une solution pour l'énigme avec les prénoms qui étaient en fait des additions de chiffres représentés par leurs lettres, là. L'enfer. Et une porte, on avait mappé tout le donjon et la porte on l'avait pas trouvée parce que le jeu est comme il est. Attends. Donc ça va, hein. Franchement, je suis plutôt content, là. Alors, cure... cure poison, s'il te plaît, parce que là, ça va bien. Eh ben... Il n'y a pas cure poison, en fait. Heal, light... Choc, free action, open, machin... Cure poison. Hop là. Merci mon vieux. Detect Magic, hein, allons-y, finissons le jeu, quoi. Trouvé dans le dernier donjon, ça va bien. Non. Je sais même plus pourquoi je fais ça, je suis en roue libre. Je suis trop content. Ah ! Quel jeu ! Faut que je fasse le bilan. C'était quoi cette potion ? De cure poison. Ah, génial! La potion qu'on connaissait pas, elle aurait pu nous sauver. Trop bien. Ce torque là, c'est quoi? Speed, ok. Je fais ça complètement, je suis en roue libre. Je viens de me faire tellement de liche. J'ai plus de crâne, quoi. Cristal. Ring. Ok. Et la ring, c'était quoi, alors? Stamina! Putain, c'est la première qu'on a! Ah non, stamina, je sais plus ce que ça fait. On va aller voir. Pour une fois qu'on aurait une... une bague qui sert à quelque chose. Non, non, bah non. Toujours à rien. Ok. Donc, bilan, on va quand même aller au palais. Super jeu, hein, voilà. C'est pas simple, c'est quand même dans son jus à mort. C'est codé avec les pieds, ça c'est sûr. C'est codé avec les pieds. Quand on regarde son clavier, on se demande comment ils ont pu faire ça.
Au moment où vous approchez des portes du palais, un garde s'incline respectueusement et vous informe qu'à cause des forces libérées durant le combat contre le mage de guerre impérial, le palais est actuellement en cours de reconstruction. Vous pourrez revenir une fois les réparations achevées. Waouh. Très bien. Ah, j'ai envie d'aller voir... Voilà, le mont Écarlate. Eh ben, sous la neige et tout, ça fait Noël. Donc, super jeu. Des donjons, et j'ose le dire, meilleurs que dans Daggerfall. Le moteur, en fait, voilà. Ce qu'il faut enlever tout de suite, c'est le codage du jeu. Je ne pense pas refaire ce jeu à cause de ça. Hein. Et les dernières liches, là, c'était complètement fou. Mais vraiment, Shift-C... Faudrait que je regarde un clavier QWERTY. Mais Shift-C pour relancer un truc, alors que tu te déplaces avec les flèches. U pour utiliser, bon, pourquoi pas. Pour use. Mais il n'y a pas de logique, quoi. Et c'est vraiment... Je sais pas comment c'était... sur un PC de l'époque, faudrait peut-être le faire tourner sur un vrai PC, mais non, tu vois. Puis là, bientôt 30 ans ce jeu, hein. Donc ça explique tout aussi, qu'est-ce qu'il veut lui. Là je réfléchis un peu à la musique que j'aimais dans Daggerfall, ben, on la retrouve là, en midi et tout, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce arena? Bon, graphiquement, encore une fois, c'est au moins c'est presque du plein écran. Ça c'est beau, on a une belle fenêtre de jeu, c'est très pixelisé, mais il y a beaucoup de choses. Encore une fois, je sais pas à combien de FPS ça tournait à l'époque, mais là on était à 4, hein, à des moments. Franchement, et après donc voilà, l'histoire... Et simple, c'est Zelda 1. Il faut trouver 8 morceaux et tuer le boss. Donc ça, est-ce qu'il y a une histoire? Non. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'histoire, mais il y a du lore. Partout où tu vas, t'as la confrérie de trucs, les donjons qui ont une histoire. Déjà les nains dans Daggerfall qu'on retrouve dans Moro. Tu peux aller à Daggerfall si t'as envie. C'est quand même très très cool, hein. C'est quand même très très cool. Les villes, tout ce qu'on a dans Arena, on le retrouve dans les suivantes. T'as même des choses qu'on n'a pas retrouvées dans Daggerfall, comme les nains, hein. Si je ne m'abuse. Du coup, impressionné. Impressionné par l'ambition, par la réalisation finale. Évidemment, quand tu joues, tu deviens fou. Mais quand tu le prends tel qu'il est, je le conseille pas. Je le conseille pas parce que, à moins d'être un fan dingue de Elder Scrolls ou des vieux RPG, et de vouloir le faire pour se dire j'ai fait Arena, tu vois, à moins de faire ça, non. Y a un truc qui m'a impressionné avec le code par contre, c'est qu'il n'y a pas eu de bug. On a eu un freeze à l'épisode dernier ou à celui-là, je sais même plus. Bref, je les ai fait dans la foulée, donc je sais plus. Mais il y a eu un freeze et un retour sous DOS. Donc franchement, ça c'est stable. On n'a pas eu de bug de quête, on n'a pas eu de sauvegarde corrompue. On n'a pas eu d'objet qui disparaît, qui réapparaît. Non, franchement, c'est très cool. Les villes se ressemblent un peu toutes, mais en même temps, le monde, il est immense. Il est immense pour rien, évidemment. Mais il est immense quand même. Après, on dit le monde, il est immense, il n'y a personne dedans. C'est que des mecs qui donnent des indications. Le truc qui est bien, c'est de se trouver une petite ville avec le vendeur d'armes, le forgeron, à l'entrée. Et à côté encore de l'entrée,
une taverne, et là t'es bien, tu vois, parce que tu fais réparer tes trucs et tu vas faire dodo et voilà. Mais en revenant, parce que, enfin, tu fais réparer tes trucs, tu voyages, tu reviens, tu fais dodo, tu reprends ton arme, c'est reparti. Ça va. J'ai bien aimé. Je parlais de l'histoire. Je suis un peu décousu, mais tu vois toutes les liches que je viens de me taper. J'ai aimé l'histoire dans le sens les cinématiques. Voilà, la cinématique de fin était cool. La petite meuf là qui faisait partie de l'équipe et qu'on voit nous parler dans nos rêves en nous regardant d'au-dessus là, elle est marrante quoi. C'est cool pour l'époque. Il y a un système de magie qui est cool, cool, cool. Alors allons-y, parce que Passwall, c'est du génie. Passwall, c'est très très rare dans les jeux vidéo. Et ça, c'est une très très belle surprise. Même le fait de construire un mur. J'aurais peut-être pu réfléchir à construire un mur pour pas qu'une liche... tu vois, pour faire un bouclier contre une liche, par exemple. Ça aurait été possible, ça. Et pouvoir trouver des salles secrètes quand on peut pas aller dans le feu en cassant les murs dans Dagoth Ur, là, c'était très cool, ça aussi. Ce sort est génial, les sorts sont vraiment cool, l'évitation se suffit, tu vois. Là, tout ce qu'on veut dans un jeu en 2D, parce que c'est un jeu en 2D, à moitié, hein, c'est, tu vois, voilà, je vole au-dessus du trou. Et ben, c'est tout, voilà. Ben, je suis désolé, mais ça, on l'a plus dans Oblivion, hein, voilà. Donc, un point de plus. Et on l'a plus dans Skyrim non plus d'ailleurs. Donc c'est très riche en termes de magie et j'ai beaucoup aimé. Franchement, jouer un mage, c'est quand même, à mon avis, vital hein, pour ce jeu. Pas jouer de mage, ce serait vraiment dommage. Un chevalier qui s'envoie des potions, oui. Mais du coup, t'es obligé de les financer, tes potions. Là, tu fais dodo, tu restes digne. Mais sinon, t'es obligé de... Je sais pas comment tu fais beaucoup d'argent, parce que là, on est un peu au bout de la monnaie. Hein. Si je regarde, est-ce qu'on peut voir son argent quelque part ? Je sais pas trop. F1. Ouais, pièce d'or, 23 000. On peut encore, hein, tu vois, faire des trucs. Ça va. Mais... après, c'est moi qui ai abusé. Combien on a de... Combien on a ? Ouais, on en a 900 encore, ça va. Non, non. En fait, on peut jouer Chevalier Potion. On peut jouer Chevalier Potion, c'est cool. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, on lance pas tant de sorts que ça. Mais il n'y a pas de potion de Passwall, je crois. Et ça, c'est dommage. Il y a Resist Fire qui pourrait un peu... tu vois. Est-ce qu'il y a potion ? Je crois pas qu'il y ait potion de Passwall. Et du coup, tu te coupes un truc tripant du jeu, quoi. Tu vois, si tu te coupes le passe-muraille, c'est dommage, je trouve. Voilà. Il y a les extérieurs ensuite, qui sont finalement mieux que dans Daggerfall. On ne peut pas rejoindre une ville à pied, c'est pas possible, parce que quand tu sors d'un endroit, en fait, le jeu génère des cellules assez longtemps, hein, et après il va les répéter. Mais tu ne vas jamais atteindre, c'est des cellules aléatoires qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Donc, mais Daggerfall était vide. Voilà, là, tu sors, pouf, un petit donjon, un petit fortin, une petite auberge, une petite ferme. Tu vois, c'est finalement, dans toute cette limitation où tout le monde c'est des pancartes, eh ben, Arena est plus vivant que Daggerfall. Et ça, c'est beau. Même si Daggerfall a quelques trucs, genre des petits animaux, des machins comme ça, mais... Ouais. Daggerfall est quand même en 3D, donc c'est déjà ça, mais... Mais voilà. Est-ce que je préfère Daggerfall ou Arena ? C'est des jeux différents. C'est des jeux différents qui ont chacun leur qualité. Voilà. Je pense que je préfère Daggerfall Unity à Arena. Mais... Entre Daggerfall et Arena, je crois que je préfère Arena. En fait, parce que Daggerfall est devenu trop complexe dans son scénario de ouf, là. Trop de bugs. Tu trouves jamais le truc de ta quête. C'est une corvée, quoi, des fois, Daggerfall. Là, t'as quand même un donjon en 2D. Tu le ponces.
et à la fin t'y arrives quoi. Il y avait cette porte qu'on n'avait pas trouvée malgré le fait qu'on avait parcouru tout le donjon, ça arrive, c'est un truc qu'on aurait pu quand même solutionner en refaisant le tour, mais bon, on est dans un let's play, on n'a pas le temps. Puis dans la vie, j'ai pas le temps, quoi. Ah d'accord, la nuit tombe. Et donc voilà, on trouve son chemin en tout cas dans Arena, et ça c'est cool. Là je vous fais un podcast, mais c'est important. Bon, la musique j'en ai parlé, les graphismes j'en ai parlé, le système de jeu, les boss, les ennemis. Ouais, c'est quand même chargé en ennemis. Chargé, on finit niveau 21. Et attendez, hop, il y a mon téléphone qui sonne, je rappellerai. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est chargé en ennemis, hein. La fin là, les derniers donjons, t'as quand même, allez, les trois derniers donjons, au moins, t'as des mecs qui te one-shot. Voilà, c'est papapapapam, et hop, t'es mort. C'est musclé. En même temps, c'est cool. Tu vois. En même temps, on y arrive. Voilà, dans ce vieux jeu bien sec, on y arrive. Tous les donjons ont des thèmes aussi. Dans Daggerfall, t'avais pas trop de thèmes dans les donjons. Tu retrouvais toujours ces mêmes cellules, quoi. Tu vois. Enfin, ces mêmes pièces de puzzle qu'ils mettaient ensemble pour faire des donjons, les mecs. Et du coup, Arena plus varié que Daggerfall, et ben ouais, et ça c'est beau. Donc l'un dans l'autre, j'ai beaucoup aimé ce jeu, quoi. J'ai beaucoup aimé péter les plombs dessus, évidemment. Tout ça c'est que de l'amour. Des fois t'as l'impression quand même que c'est un jeu codé par des consanguins, mais en même temps, j'ai tapé le micro, désolé. En même temps, bah tu les aimes, quoi, tu vois. C'est débilos qui font du jeu vidéo, là. C'est nerd de l'époque qui ont fait une équipe pour faire ce jeu-là et qui ont mis plein de références qu'ils aimaient bien de leur jeu de rôle à eux et tout. Ben, c'est cool. C'est bonne vibe, en fait. Le jeu est bonne vibe, en fait. Ouais, c'est ça. T'as les quêtes des artefacts. T'as déjà les artefacts. On aurait pu aller chercher plus d'artefacts. On aurait pu aller chercher le bouclier de je sais pas quoi et le machin de truc. On a fini avec un Kite Shield, c'est aussi parce que j'aurais... Peut-être que j'aurais pu aller chercher, mais je sais pas s'il était compatible avec ma classe, tu vois, bon. Mais j'aurais peut-être pu aller chercher l'épée légendaire, le bouclier plus 20, je sais pas quoi, tu vois. Donc, il y a ça aussi. J'ai aimé un peu foncer dans ce let's play. Puis je voulais vraiment le finir avant de partir en vacances, donc là c'est cool. Voilà, j'ai le méchant est méchant, il arrête pas de t'insulter dès que tu meurs, et tu meurs 60 fois par heure, donc voilà. Le méchant n'arrête pas de te dire que tu es un fool, et à force ça te rend fou, mais bon, pourquoi pas. Ouais, c'est une pierre angulaire, quoi, hein. C'est important ce jeu, je suis content de l'avoir fait avec vous, vraiment beaucoup, merci pour votre accueil de ce let's play, pour les commentaires, pour les vues évidemment, mais vraiment pour les échanges à propos de tout ça, à propos de ce jeu, c'est toujours très 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 cool à partager, je continuerai. Le prochain Elder Scrolls, alors j'ai fait le tour, hein, tu vois, jeu génial, qui rend fou. C'est codé avec les pieds, mais c'est que de l'amour. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je le conseille vraiment aux mecs hardcore. Voilà. Tu vois, avoir fini Daggerfall et Battle Spire avant, ça aide, c'est sûr. Quand même, on en a fait. Hein. Quand j'y pense, c'est pas le bilan Elder Scrolls, mais. On a quand même fait de belles choses, hein, dans Elder Scrolls. Alors j'avais envie de faire ces deux jeux Java complètement nazes, mais il n'y a pas d'émulateur Java qui sauvegarde. Donc on doit pouvoir sauvegarder dans ces jeux-là parce qu'ils sont un peu longs, c'est des dungeon crawlers écran par écran là. Les Elder Scrolls Travel qui ne sont pas Oblivion. C'est Dawnguard et je sais plus quoi. Bref, ces deux jeux-là que je voulais faire, c'est vraiment nul.
C'est nul de chez nul. Je ne pense pas qu'on les fera, je suis pas sûr. On les fera peut-être en démo, tu vois, une découverte, ça, évidemment. Mais... c'est pas... Comment dirais-je ? Il y aura pas de fun. Tu vois, il y aura... Ce sera vraiment... moi, sur un jeu Java qui tenait sur un timbre poste avant, tu vois, mis ça en plein écran autant que je peux, en train de me balader dans les couloirs et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Bon... On va s'ennuyer, je pense. Mais on pourra toujours les découvrir dans un épisode de Découverte Chacun. Ça, pourquoi pas. Après, il y en a un qui est sorti sur Switch aussi, là. J'ai vu, je crois. Un jeu où il faut attendre... genre, tu construis un village, et quand t'as construit une maison, il faut attendre longtemps avant qu'elle soit finie. In-game, tu vois, c'est des vraies heures IRL, finalement, que t'attends pour que in-game ce soit fini. Et si tu payes, ça va plus vite. Enfin, tu vois, le truc malhonnête de base, quoi. Et donc, on pourra quand même voir ce que c'est. Faudrait que je regarde s'il y a moyen de le télécharger ou quoi. Il y a un jeu de cartes, Elder Scrolls, aussi, sur Steam. Je l'ai. J'ai jamais lancé ce truc. Il y a un Flipper Elder Scrolls qu'on va se faire aussi. Je crois que je l'ai acheté, celui-là. Un Flipper qui est donc un skin... d'un autre jeu de flipper, tu vois, mais c'est quand même un Flipper Elder Scrolls. Voilà quoi, il y a des belles choses en perspective, et bien sûr, il y a Skyrim. J'ai envie de faire un petit mot hommage avant. Et j'ai l'impression que ça vous chauffe, n'hésitez pas à me dire. Je pense que... tu sais, mage pur, est-ce qu'on peut faire Moro en mage pur? Ça m'intéresse de le savoir. D'ailleurs, ce sera beaucoup un moyen pour nous d'échanger sur... Parce que je suis pas très bon, en fait, dans les sorts de Moro, donc ce sera un moyen de d'échanger sur les bons builds de mage, tu vois. Genre, tel sort avec tel sort, avec tel enchantement avec tel sort, et ben à la fin, en fait, t'es très rapide et je sais pas quoi, tu vois. Ou t'invoques un truc, ou je sais pas, ou tu lances un sort qui fait des dégâts constants pendant une minute à une zone de 1000 km². Enfin, Moro, quoi, tu vois. Et... à grand renfort de potions, quoi. Ouais, voilà, c'est un petit podcast, hein, le podcast final. Ça, c'était pour la suite. Ce qui suit directement ce let's play, le dimanche, le jeu, vous l'avez vu, je pense. Attends, l'épisode 20... Là, c'est quoi, 22? Ouais, je crois que c'est 22. Enfin, ce dernier épisode, il sort un mercredi. Je vérifie dans mes sauvegardes. Ouais, donc le dernier, c'était le 21. Le 21, il sort un samedi. Ensuite, on a le nouveau let's play du dimanche. Ça, vous l'avez vu. Cet épisode 22 sort un mercredi. Il s'appellera la fin du jeu, évidemment. Samedi, il y a le premier épisode... d'un let's play avec Clémence qui sort. On continue le dimanche, celui de la semaine dernière. Et puis voilà. Tranquillou milou, on avance vers ces 4 épisodes de let's play avec Clémence. Donc après celui-là, j'hésite. Tu vois, j'ai aussi une envie de Subnautica Below Zero. Histoire de se faire autre chose que du RPG un petit peu. Vous voyez ? Donc, pourquoi pas. J'hésite entre Morrowind Mage, Subnautica Below Zero, et je verrai comment mon PC le fait tourner, parce que ça, c'est pour ça que j'y ai toujours pas joué. J'espère qu'il est optimisé depuis un peu mieux, je sais pas, on verra. S'il y a moyen de moyenner, en tout cas, je l'ai acheté. Donc, Mage Moro, Below Zero, ou... Peut-être que pendant les vacances, je vous ferai un petit let's play rapide d'un jeu que j'aime bien. Plutôt une Solus même de ce jeu magnifique. Ouais. Là je suis rincé, je viens de me faire les deux derniers donjons de Arena, liche sur liche. En tout cas, c'était bien cool, encore une fois merci, hein, vraiment, sans vous je n'aurais pas la force de jouer à ce genre de jeu, donc merci beaucoup. Bravo aussi, hein, à Valandril de l'avoir fini. Je sais pas comment il l'a fini. Solus, pas Solus, craquage, pas craquage,
Mais je crois qu'il l'a terminé, donc GG aussi. GG à tous ceux qui ont fini Arena, franchement. Et voilà. Voilà. Une belle aventure qui se finit. Très content. Voilà. Je ne sais plus finir mes épisodes, évidemment. Merci d'avoir... Donc, on finit sur le Mont Écarlate. Merci d'avoir regardé avec ce bel homme. Un bel homme, une belle montagne. Merci d'avoir regardé ce Let's Play jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut.